Thank you very much for being here. It's really nice to have you here. So we have some few questions we're going to be asking. I would like to know, how can the international community and neighboring African countries reach deals to promote regional power, motivating governance plurality in orderly, peaceful and resolute way? Comment est-ce que la communauté internationale et les pays africains voisins peuvent contribuer à la promotion régionale de la rotation et du pouvoir, la pluralité de la gouvernance, et d'une manière ordonnée, pacifique? On va parler sur la bonne gouvernance entre les pays. You are going to talk about good governance among countries. Yeah. Dans la bonne gouvernance, on entend la gestion de la chose publique. In good governance, we understand the management of public resources. Faut faire tout pour bien gérer tout ce qui est du pays. C'est la bonne gouvernance en général. It is good governance in general where everything is done in order to manage well whatever belongs to the country. So thank you very much for answering to the question. Merci beaucoup d'avoir répondu à la question. Alors la deuxième question sera, quelles sont les perspectives d'autodéveloppement et d'autosuffisance du Burundi en tant que pays à l'heure de l'échange et de la promotion des pays du Sud? In English, is what are the perspectives of Burundi's self-development and autosufficiency as a country when the exchange and promotion of the global South come? Ah oui, je comprends. Le Burundi, l'autodéveloppement peut se développer, par exemple, par développement dans les domaines, dans tous les domaines, les domaines agricoles, les domaines élevage, éducation, tout ce qui concerne la vie du pays. Surtout pour le Burundi, on a même dédié cette année, c'est une année agricole. C'est-à-dire que on doit s'intéresser beaucoup à l'agriculture. So basically, she's saying in order for the we have to invest more on what we are using every day, especially when it comes to agriculture, because it's a year of agriculture, and the country and we should, they should, Burundi people and everyone should actually focus more on the agriculture. Dans quelle industrie le Burundi peut-il être un acteur innovant, comme l'agriculture, hautement développée, la science ou encore les services? Quel objectif mettre en œuvre et quel pays clé pourrait être essentiel pour l'échange des connaissances et de la science? So, what industry can Burundi be an innovative actor in, such as highly developed agriculture, science or services? Which focus should implement and which key countries might be essential for knowledge exchange and science? Ok. Je peux vous donner comme exemple au Burundi. Il y a des échanges commerciaux. On va faciliter les échanges commerciaux par la construction, est-ce que la construction, non, du chemin de fer qui relie la Tanzanie, le Burundi, la République démocratique du Congo. Ça sera des échanges commerciaux, faciliter le transport. For example, we can facilitate trade exchanges, yes, through the railroad that has been constructed between Burundi, Tanzania, yeah, and the Democratic Republic of Congo. Yeah. Il y a aussi de l'énergie. On partage l'énergie qui vient, les barrages, Rwanda, Congo, et voilà, le barrage de Rusizi. Rwanda, le Burundi, la Tanzanie. We can share. That is Africa. Exactly. We can all focus on the Southeast African, increase the relation between them. Yeah. So we're going to move to the fourth question. So starting from with French. Le conflit de l'Est de la RDC est un grave problème pour ses voisins.
Et le Burundi en fait partie. Avec l'élection du président Evariste à la présidence de EAIC, oui, peut-on espérer la fin du conflit grâce à l'intervention du EAIC sous sa direction? So, in English, is the je Eastern peux DRC. Même. Je comprends ce que vous allez it's dire. Video, oui, okay. le président de la République du Burundi a été élu comme président de l'EAC. Il va diriger l'EAC l'année 2022-2023. Sa préoccupation est de ramener la paix dans la sous-région. So, the president of the DRC is going to be president in 2022-2023, and the main focus on him is to bring peace and a good intention and a good relation in the east, southeast of Africa. Yes. Et maintenant, pour la dernière et la cinquième question. Donc, l'Union européenne et les États-Unis sont les principaux bailleurs de fonds du Burundi, mais les sanctions imposées sur le régime précédent ont profondément nui à l'économie. Nous avons assisté à un renouveau des relations sino-africaines au Burundi avec l'achèvement de la centrale hydroélectrique de Uzibazi et la construction de la maison d'État. Peut-on s'attendre à une coopération plus approfondie entre le Burundi et la Chine? Maintenant, je vais juste traduire pour le public. The European Union and the US are the biggest funders of Burundi, but the sanctions imposed during the previous regime deeply hurt the economy. We have seen a revival of Sino-African relations in Burundi with the completion of the Uzibazi hydropower station and the construction of the state house. Can we expect a deeper cooperation between Burundi and China? Yes. Je peux vous dire que la Chine et le Burundi ont de bonnes relations. Des activités qui se font là. La Chine, elle construit beaucoup. Là, des industries, construction des routes, construction des maisons. La Chine fait beaucoup d'activités au Burundi. Il y a une coopération bilatérale qui est. Qui joue un rôle important pour le Burundi. First of all, I would say that China and Burundi already have good relations because China has invested in a lot of constructions in Burundi. For example, auto streets, highways, infrastructures, highways. And so currently the relations between the two countries are already good. Yeah. So we're at the end of the interview. We would love to have you here a little bit more. It's the end, and thank you very much for being here with us and answer to all our questions. And I hope you're going to enjoy the party now. Thank you very much. Thank you so much. It was nice having you here. Yeah. It was a pleasure.